Bonjour à tous, ici Commander Fran. Nous voici sur une courte vidéo en attendant la vidéo promenade en 4K et un focus chip mis à jour. Voici la news, l'info, ce qu'on attendait vraiment depuis longtemps, le 890 en live. Ça y est, c'est tombé, il est là, le site RSC a été mis à jour et CIG nous gratifie d'une vidéo sur le 890 comme on en rêvait depuis longtemps. CIG nous montre un 890 débordant de vie, plus d'une centaine de personnes à bord, impossible évidemment avec les instances en 2019, mais qui sait dans le futur. Cette vidéo met en scène le 890 au paroxysme de son utilisation, des invités de marque triés sur le volet, servis par le bal incessant des serveurs, des coupes de champagne et de la fête. Une image courte mais captivante sur un lieu inconnu, une lune vivante en orbite d'une planète géante à anneaux, mais avec des architectures tout aussi fines et travaillées dans un style bien origine, un lieu paradisiaque. La fête se poursuit sur la plage et n'est pas prête de s'arrêter. Et pendant que le danger gronde, activité fun, sortie en 85X, chant d'opéra, les chefs et serveurs s'activent en cuisine, une attaque se déroule et le 890 ne s'en laisse pas compter. Transformant les assaillants en clous du spectacle, au flamboyant feu d'artifice. La luxure et la suprématie d'une classe intouchable qui sera ramenée à bon port dans son foyer tout aussi protégé et exclusif. Soon enough. Le 890 n'est pas un vaisseau, mais un style de vie. Alors, quoi de neuf sur le site RSI? Un lien vers une page origine pour le 890 qui vous donne accès à la vidéo que vous venez de voir. Mais aussi sur cette page, mettant en scène les matériaux exotiques de haute qualité, le raffinement et l'élégance à l'état pur, les commodités exclusives, avec le choix des meilleurs partenaires avec la plus grande attention. Le luxe ultime, un hôtel 7 étoiles dans l'espace. Un onglet vous permet d'admirer l'œuvre d'art d'origine sous tous les angles. Et un accès complet des informations et des pièces à tous les niveaux du 890 Jump. 4 ponts, avec le main deck, qui est le pont le plus haut du 890, avec déjà l'atrium et le poste de commande principal, avec le lower deck, la suite du capitaine, 2 chambres VIP et toute la zone restaurant ainsi que la salle de réunion. Aussi le lido deck, qui est l'espace principal des passagers, avec tout le raffinement et les services liés à leur statut de VIP. Et on termine par le horlop deck, qui est réservé au personnel de l'équipage, avec les cuisines, l'espace personnel, la zone cargo et le hangar. Les options d'achat sont minces car les possibilités ne sont plus qu'en Warbond, au prix logique de 890€ taxes comprises, en tout cas avec 21% de TVA. Il n'est plus possible de l'avoir pour l'instant avec des store crédits. Le 85X nous est rappelé pour ceux qui désirent attirer l'attention des capitaines de 890 Jump, car on ne pourra pas monter à bord avec n'importe quel vaisseau, comme un Buccaneer fatigué, crasseux et dégoulinant d'huile suintante par exemple. Pour les riches propriétaires désirant encore l'acquérir, dépêchez-vous, l'offre ne sera que très temporaire et toujours avec 72 mois d'assurance. Et on ne sait jamais ce que les semaines anniversaires de novembre peuvent nous réserver. C'était Commander Fran pour la sortie du 890 Jump en live à la 3.6.2 et la mise à jour du site RSI. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux, n'hésitez pas à commenter et à partager. N'oubliez pas les prochaines dates du streamer du dimanche, ce 8 septembre, édition spéciale 890, la vie à bord.
et l'épisode 17 du streamer du dimanche qui se déroulera le 22 septembre, toujours en compagnie de l'équipe des chroniqueurs. Lien du Discord et Twitch de l'émission en description. Salut à tous !